Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media Now. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media Now là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Le Premier ministre Ariel Henry prend tête au ministre Kirti ak Communication vendredi 26 novembre 2021. Dans le poste, il a remplacé Jean-Emmanuel Jacquet. Le Premier ministre Kirti ak Communication fait qu'on est libre de travail pour établir une bonne politique de communication. Il y a un bout dans la déclaration de l'ami pour Marie Dieudonne Hurtelou et Lydie Dieudonne. Ce ministère sera considéré comme un haut lieu de production culturelle. En même temps, garant du patrimoine haïtien. Il se voudra être également à l'avant-garde de la promotion des valeurs culturelles haïtiennes, que ce soit en termes artistiques, artisanaux, en termes d'exposition d'art, de production et de créativité. Je donne la garantie qu'aucun aspect dans ce domaine ne sera négligé. Nous sommes convaincus de l'impérieuse d'établir ou de renforcer l'articulation qui doit exister entre les différentes institutions étatiques en vue d'éviter que soit biaisée la perception des usagers de la chose publique. Aujourd'hui, la vie et l'essor économique des peuples ne sont plus entravés par la difficulté de partager des informations. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont à la portée de tous. En plus de la presse qui doit essentiellement servir de relais entre les différentes catégories de la population et le pouvoir. Ainsi, les peuples, les citoyens, à travers la presse, peuvent à toute heure, à chaque seconde, et si loin qu'ils soient, communiquer leurs craintes, leurs espérances, leurs déceptions et leurs attentes. Fort de cela, le ministère souhaite être complice des journalistes, de la presse en général. En ce sens que nous devons nous complaire à échanger constamment des idées, comme dans un laboratoire, de façon à éviter des mésinterprétations et des malentendus. Les portes du ministère seront toujours ouvertes à la presse. Et je souhaite que nos relations en tant que ministère de la communication et de la culture s'intensifient jour après jour. Nous allons travailler avec les médias haïtiens de la diaspora pour permettre à nos compatriotes vivant à l'étranger de rester en contact avec la terre natale, de mieux s'inscrire former des activités du gouvernement et en même temps de produire leurs doléances. Mon gouvernement s'engage à respecter la liberté de la presse, tout en espérant que la presse jouera pleinement son rôle dans le processus de consolidation de la démocratie, d'éducation et du progrès économique. Ingénieur Rosemont Pradel, c'est nouveau ministre des Travaux publics, Transport et Communication. Cérémonie installation en déroulé jeudi 25 novembre. Là. C'est ministre Santé publique et Population, Dr. Alex Larsen, qui préside cérémonie installation. Ça. Rosemont Pradel remplacé dans le poste ingénieur Wilson Edouard, qui passait quelques mois dans le poste. Là. Nouveau ministre prend engagement pour travail et puis appliquer politique gouvernement. Un extrait. Je m'engage publiquement et solennellement à déployer tous mes efforts dans le cadre d'une cohésion gouvernementale dont l'intérêt manifeste est sans aucun doute d'apporter un début de solution aux problèmes immédiats qui troublent le quotidien de la population haïtienne, tant dans la zone métropolitaine que dans le reste du pays. Le ministère des Travaux publics et Communications, c'est un ministère de grandes infrastructures. Mais il serait utopique de ma part de penser à la réalisation de grands travaux avec une économie aussi faible et aussi faible et dans une période transitoire. Toutefois,
il va falloir évaluer l'existant et finaliser certains projets dans la mesure des possibilités financières réelles. Je sais que les eaux sont basses. Il va falloir développer une culture de résultats pour commencer à satisfaire l'attente de la population avec le peu de moyens disponibles ici. Je souligne à l'encre fort, il faut avoir la volonté de travailler avec d'autres institutions pour redonner confiance aux citoyens et aux citoyennes. Nous devons mettre en place une stratégie efficace à travers les structures déconcentrées pour combattre l'insalubrité qui devient un état de fait et qui présente Haïti dans un laideur proverbial. Forme d'application. Moi, comptez sur nous toutes. Pour nous arriver par résultat. Pays a pas pour un seul monde, ni pour un petit groupe de monde, c'est bien nous toutes. Faut nous protéger. Docteur Alex Larsen a remplacé Docteur Marie-Greta Roy-Clément dans tête ministère Santé publique et population. Cérémonie installation ministre Alex Larsen réalisée jeudi 25 novembre 2021. C'est ministre Tourisme et Industrie Créative Long Cassandra François qui présidait la cérémonie. Docteur Marie-Greta Roy-Clément passait environ 4 années dans tête ministère Santé publique et population. Plus de détails. En matière de bilan, nous allons le résumer en 4 phases d'intervention: infrastructure, ressources humaines, ressources financières et offres de services. Nous avons procédé à l'inauguration d'infrastructures, soit construites, soit réhabilitées. Je cite quelques-unes. Un centre ambulancier national, des centres communautaires de santé et centres de santé dans différents départements tels le Nord, le Sud, l'Ouest, le Sud-Est. Une salle de situation équipée technologiquement. Un centre d'approvisionnement en intrants de la vaccination dans la Grand Anse. Un bloc chirurgical aussi dans le département du Grand Anse. Le réaménagement, comme je le disais au ministre Larsen, de l'espace de travail du ministre et de son cabinet, dont une grande salle de conférence qui nous accueille aujourd'hui et qui accueillera, j'espère, la galerie des anciens ministres de la Santé. Aussi, nous avons lancé les travaux de construction des bâtiments logeant les directions départementales du Sud-Est et des NIP qui sont à des phases très avancées. On ne saurait oublier plus près de nous un projet qui me tenait à cœur et qui me tient toujours à cœur, celui de la construction des services d'urgence Safe Hospital de l'hôpital universitaire de la paix avec un financement de l'OPS. Ces travaux de construction sont en cours et déjà presque finalisés. Ce sera le premier de ce type en Haïti. Actuellement, un total de 31 institutions sont quasiment prêtes à être inaugurées, soit 17 dans la Grande Anse, 5 institutions sanitaires dans l'Artibonite, 5 dans le Nord-Est et 4 dans le Nord-Ouest. Il importe aussi de mentionner qu'il y a 40 institutions sanitaires localisées dans 3 départements pour lesquels des travaux de réhabilitation et ou de construction sont presque finalisés. Autant vous dire, Monsieur le Ministre, que nous vous laissons un MSPP en plein chantier, avec l'assurance que durant votre passage, toutes ces œuvres seront finalisées et remises à la population haïtienne. Madame la Ministre, pour l'État, tu permets, tu es comme ma fille. Je ne te remplace pas, mais te succède. On saurait remplacer un ministre, c'est un médecin qui succède à un médecin. Sur ce que vous dire, c'est une continuité de la politique de santé publique. Votre programme, tout ce que vous avez commencé,
sera normalement maintenu, amplifié. Naturellement, il y aura peut-être entre 10 et 20% de mon empreinte, ce qui est tout à fait normal. Je ne compte pas faire de grands changements. J'aime la continuité. Je demande la collaboration de tout un chacun. De garçon cool jusqu'au plus grand technicien. Parce que c'est avec vous que j'ai initié dans mon ministère. C'est avec vous, avec vos collaborations, que nous pourrons apporter des améliorations au système de santé. Autorité ministère Femmes et Droits Familiaux lancé officiellement jeudi 25 novembre là, journée internationale pour élimination contre violence qu'a faite sous femmes actifs. Lancement ça fait dans le département centre au pays, précisément dans le commune H. Reportage Richard Otton Jourdon avec Michel Joseph. Violence sous femmes actifs, c'est plus gros ennemi pour la société. N'a pas dénoncé. C'est sous thème ça, ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, lancé journée internationale pour élimination contre violence qu'a fait sous femmes actives dans la commune H, jeudi 25 novembre. Là. Ministre Conditions Femmes et Droits Femmes, Dr. Sophia Loureïs, prend engagement pour accompagner toutes femmes dans le pays là, et puis continuer la bataille pour mesdames jouer un rôle comme ça doit. Quel que soit côté femme, nous sommes pour nous. Le travail, le marché, le mari, la caille, on a dit que catastrophe naturelle, que pour problème de terre, cyclone, déroulement de terre, érosion et matrimoine. Souvent dans la société, les femmes victimes de violences sexuelles, mais toujours banaliser les acteurs, ridiculiser. Qui se victime, c'est pour celle même qui provoque agresseur, comme un sacre. C'est ça, il y aurait mon bon langage scientifique, la culture du viol. Mon idée pour faire fondre accepter le viol là, c'est pour celle un sacre qui est normal. Bataille contre violence qu'a fait sous forme pacifique, pas uniquement une bataille pour réconforter les victimes, mais c'est pour éduquer la société. Pour comprendre la violence sexuelle là comme un gros problème social et moral dans le pays. Représentant organisation femmes dans l'activité ça a dénoncé toute qualité de violence femme absibi dans la société. Si le monde qui était la caille monde, qui pas la caille maman et papa. J'ai dit que le monde ça y a, il y a subi un peu de violence. Il y a subi violence sur toute femme. Chaque temps, chaque vie retournée, tout ça qui fait, qui n'est pas bon, c'est une autre fait. Et bien nous-mêmes nous disons, nous faisons gens pour notre travail, pour nous croire ça. Délégué départemental centre Bruni Koyolon, dit lui parler pour supporter et accompagner mesdames dans la bataille pour droit aux garanties. Nous n'avons pas qu'à manger seulement. Nous n'avons pas qu'à lancer à la santé pour ces violences qui est. Violence en pile. Nous voulons dire tout. Société, nous comprenons ce qui s'est passé. Parce que famille, ça fait deux années depuis que les bouts, la palétique, nous avons une société qui est forte, nous avons un état qui est fort. Nous faisons une famille garder qui a fait du petit monde, qui a appelé petit monde. Je dis à nous délégué, mais nous sommes votre maman. Mais si maman est levé, n'a pas respecté le monde, n'a pas fait un combat tapis, n'a fait ça, tout ça qui est connu dans la société, je dis à nous délégué, pas petit monde, pour nous faire. Tout le monde sait qu'on doit garder notre petit monde. L'appeler la bande est bonne. L'appeler notre petit de musique. L'appeler notre pantalon bas. Fais-le. Pour nous apprendre plus bien, pour nous prendre plus habité de nous dire à tout le monde. Cérémonie lancement activité ça a déroulé en présence plusieurs autorités locales et représentants diverses ONG qui ont fonctionné dans le pays. Plusieurs femmes recevaient plaque honneur et mérite pour l'engagement dans la société. ONU Femmes, ensemble avec l'autre Patnelio, réalisé jeudi 25 novembre l'an, 7 jours activistes contre violence qu'a faite sous femmes actifs.
D'après l'initiative qui lance le mouvement, ça, c'est un moment pour dégager en tête ensemble entre acteurs qui déjà impliqués dans la lutte contre la violence sous forme active et puis encourager l'autre acteur qui a aidé à renforcer la lutte impliquée dans la bataille. Ça, un extrait. Le thème retenu pour cette année, Oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes et des filles. Rappelle l'importance de mettre en œuvre une cohorte d'actions telles que sensibiliser, éduquer et se mobiliser afin d'impulser des changements de comportement au sein des rapports entre les hommes et les femmes pour porter des pistes concrètes de solutions en ce qui a trait à la problématique des violences basées sur le genre. Depuis les dernières années, nous pouvons observer, et jusqu'à très récemment, une escalade des violences dirigées vers les femmes à l'échelle mondiale, et malheureusement, il n'est pas des moindres dans nos murs. Haïti est confronté à des défis sociaux, politiques, économiques, et un climat d'insécurité permanent qui ne fait qu'aggraver la précarité et les difficultés auxquelles les femmes et les filles, particulièrement quand elles sont dans des zones précaires, sont confrontées. Au niveau de chaîne pénale, il y a très peu de cas qui arrivent à aboutir. Il y a très peu de décisions qui arrivent faites, qui arrivent jeunes, qui arrivent sauties. N'a pas rappelé que lutte pour violence, contre violence qu'a faite sur les dames, ni pas seulement, même là, nous citer organisation, ni pas seulement organisation société civile là, mais tout, ni concerner chaque dame qui présente là, je dis, hein, les journalistes surtout, ni concerner toute société là, parce que c'est un problème au niveau de société là, lié. Ni concerner acteurs judiciaire, ni concerner magistrats, avocats et tout le monde qui fait partie de chaîne pénale, ni tout concerner l'État haïtien qui gagne un gros rôle pour jouer pour que finalement les dames soient capables de jouer justice là où elles sont condamnées. En février 2019, OPC, CAIFOM, accompagné de l'avocat sans frontières Canada, j'ai participé dans une audience, c'était la 71e audience au niveau de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, sous question impunité de violence qui a fait sous forme. Il y a un pile de recommandations qui étaient faites dans le moment audience, mais malheureusement, nous constatons que quasi 2 ans après, les recommandations ont été, n'ont pas bougé, parce que justement, l'État qui était interpellé par le pays en Europe. Alors, recommandation, c'était, dans toute recommandation que nous avons fait, nous demandons que victimes de violences aient accès à des services de justice non discriminatoires et aient bénéficié de procédures judiciaires équitables devant tribunaux et des tribunaux qui indépendant, efficace et impartial. ASFC avec Patelio n'a recommandé et nous a recommandé mise en place un système d'information pour collecter données sur violence qui a fait sous forme. C'est pour ça au début nous avons parlé de statistiques qui malheureusement pas vraiment existé et qui pas accessible. Et ensuite, pour gagner des mesures qui prend pour assurer protection survivante, notamment des centres d'hébergement. Une responsable SNGRSO, ingénieur Marie-Ganette Calliope, présenté mardi 23 novembre un bilan partiel sur ensemble nettoyage institution réalisé dans plusieurs communes dans la région métropolitaine Port-au-Prince, sorti 17 pour arriver 22 novembre 2021. Cité Soleil à Croix-des-Bouquets, c'est 2 communes, d'après ingénieurs qui peuvent bénéficier du travail nettoyage SAIO. Marie-Ganette Galliot précise, population a collaboré avec SNGRS, une façon pour permettre le travail la plus efficace. Nous extrêmement micro-ordonnés d'Orléans avec Michel Joseph.
Zone d'intervention, c'était devant marché Gérald Bataille, c'était Cressine 2, à Cafurita, c'était route de Nazon, Safari, Bartoli, Hexagone, Acacia. Tout ça, c'est des points de stockage. Nous avons mis les Fatra Kounia, après ça, dans 10-15 minutes, nous avons mis les Fatra encore. Nous avons fait Avenue Pougla, pour la CTA, marché Miragouane. Pour Pétionville, nous avons travaillé dans le marché Pétionville. Là, nous connaissons qui ça veut dire, quantité de Fatra, nous avons mis dans le marché. Ensuite, nous avons fait Grand Action, Juvenal. Après ça, sur Port-au-Prince, nous faisons le pavé, le magasin de l'État, rue des Miracles, Champ de Mars, rue des Cazennes. Pour bon ici, nous connaissons qui ça veut dire. Carrefour Gérald Bataille là, Delma 33 Saint-Patrick, qui ça veut dire pour nous, nous faisons une zone MSPT là, nous faisons 3 jours là avant nous ici enlever quantité de déchets ça, nous faisons environ près de 2000 mètres cubes là dans nous. Nous faisons route frère, zone académie. Police, nous fait Pernier, boulevard 15 octobre, tabac, de place Hugo Chavez sous tabac. Nous fait boulevard Jean-Jacques Dessalines, c'est un entreprise en bas qui travaille sur la saline faite, actuellement la action libre. Nous fait Arrêtement, Avenue Bolos, Fleury Bassier, rue Lalette et Larac, rue Joseph Janvier, rue Oswald Durand, l'hôpital général, rue Monseigneur Guillou, rue Saint-Honoré, avenue Bio ANDC. Nous travaillons dans toutes les communes, Cité Soleil, Équateur des Bouquets, qui nous peut communiquer sur nous, nous déjà travaillé sur ce circuit. Je dis à nous Pétionville encore, parce que travail Pétionville est en pile, parce que marché au bail en pile fatra, deux concerts avec magistrats, nous travaillons ensemble avec eux. Même si c'est une task force, qui est une instance et une CTPTC là-dedans, mais là, nous avons venu nous voir dans la commune, nous conseillons à nourrir les magistrats et nous planifions avec eux. Nous avons un bilan partiel du 17 au 22 novembre 2021, nous avons fait balayage, nous avons fait entassement et enlèvement, nous avons ramassé 10 290 mètres cubes de déchets, qui est enlevé dans la zone métropolitaine. Là. Et que c'était Port-au-Prince, Pétionville, Delma Tabac qui était bénéficié ça. Nous avons fait 6 jours pour nous faire travailler ça. Matériel logistique, nous avons 31 camions en moyenne qui ont un cubage de 16 mètres cubes. Nous faisons 579 voyages entre camions à compressif et que nous boulons 5400 gallons de carburant en flotte. Là, nous parlons de flotte sans l'odeur et puis nous sommes obligés de camions là-dedans. Parce que chaque flotte a 7 à 8 camions. D'ailleurs, pour nous faire travailler ça. Alors, pendant nos Gérald Bataille, ici, nous sommes sur Maïgatea, SEI, dans le centre-ville, il fait l'hôpital général, il fait toute zone ça, et puis zone à Ritouman, pour venir faire Bolos, nous avons gagné, et CNE qui était là-dedans. Nous pensons que c'est en perspective, ça, c'est intéressant, initiative ça, c'est très bonne initiative, résultat probant, parce que sur nouvelle direction ça, SNGRS, nous travaillons dans ce sens parce que ma dit nous mission, ce n'est pas chaque jour pour des fatras. Je veux dire, nous demandons pour tout le monde collaborer, nous demandons des populations, il faut nous joindre collaboration. Le comportement, il faut que changer vis-à-vis des déchets. J'aime bien aussi Avenue PIA, c'est en baptême sa police communautaire et du pôle, lancé 3e édition concours pour Génio, qui a déroulé dans fin année. Responsable et du pôle, l'inspecteur Jimmy François, à Baye Police de Taille. C'est toujours un cadre, un cadre chanteur pour la PNH, spécifiquement la police communautaire, de réunir les quartiers chauds pour les mettre ensemble afin de préconiser la paix, afin de dire non à la violence. Parce que vous savez, aussi bien que moi, le pays fait face à un climat de violence assez inacceptable, je dirais même une catastrophe sécuritaire. Sur ce, la police communautaire a toujours mis en œuvre leur philosophie pour essayer de pacifier toutes les zones dites de nos droits, les zones chaudes. Cette activité est permise grâce au support incontestable du PNUD, du recommandement de la PNH, de la Vida Rio, et nos valeureux leaders communautaires et les jeunes que vous voyez ici présents. Nous pensons que c'est une activité qui peut permettre que toute jeunesse là mette ensemble pour bailler une autre leitmotiv, une autre alternative à pays qui a souffert à un phénomène de violence, à une violence qui a fait rage partout où l'on passe, on parle mal et l'image d'Haïti est souillée.
Aujourd'hui, jeunesse de mon pays, vous avez l'obligation, vous avez le devoir de vous mettre ensemble pour dire non à ce phénomène, pour dire non à ce climat de violence qui règne dans ce pays. Je dis à participation dans l'activité, ça va permettre que nous emmagasiner en plus connaissance, nous emmagasiner en plus bagage grâce à des intervenants vraiment chevronnés et expérimentés qui prennent nous des bagages moraux et intellectuels pour nous capables d'utiliser le pays. Parce que l'espace, ça, ce espace que nous créons pour nous bailler formation, pour nous éduquer, pour nous permettre que les jeunes sérieux de mes cabines des autorités, de mes cabines des destins pays, parce que nous tous nous sommes pour aller. C'est à eux-mêmes pour laisser flambouer. Moi, je dis nous déjà, bonne participation et bonne écoute. Et nous souhaitons que l'année prochaine, nous payons le même climat ça. Et ça nous te prend, c'est pas dans le désert que nous avons prêché. Parce que nous pouvons mettre l'application pour nous faire zone nous de la paix, pour nous convertir nous en ambassadeurs de paix, pour nous suspendre, diminuer et réduire à sa plus faible expression le climat de violence. Mesdames, messieurs les ambassadeurs, messieurs les représentants des organisations internationales, messieurs les présidents et membres des associations des maires du Nord-Est et du Nord, mesdames, messieurs les présidents et membres des associations des CASEC du Nord-Est et du Nord, mesdames, messieurs les présidents et membres des associations des AZEC, mesdames, messieurs les délégués de ville du Nord et du Nord-Est, monsieur le commandant en chef AI et les membres du haut commandement des forces armées d'Haïti, monsieur le directeur général et les membres du commandement de la police nationale d'Haïti, messieurs les techniciens et ingénieurs spécialistes cubains, responsables des travaux de construction du barrage, mesdames, messieurs les représentants du secteur des affaires du Nord-Est et du Nord, population Grand Savane, Nord-Désienne, peuple haïtien, mesdames, messieurs de la presse, mesdames, messieurs. Jeudi en 1er mai 2018, l'imaké on date importante dans l'histoire pays et on date important d'un gros changement que nous décidons de porter dans tête pays. Un an déjà, jour pour jour, date pour date, nous tenons la grange, 5e section communale Saint-Marc. Jodia, nous dans grand bassin, 2e section communale Terrier Rouge, plus précisément dans le quartier Grand Savane. Son symbolisme qui montrait le monde entier que aujourd'hui nous croyons que Haïti c'est pas grande ville seulement. Haïti c'est 572 sections communales. Haïti c'est 146 communes. Haïti c'est 27 750 km². Haïti, ce n'est pas seulement moun kap vive la ville. Haïti, ce n'est pas seulement moun qui noir. Haïti, c'est moun qui rouge, moun qui noir, moun qui riche, moun qui pauvre. Moun kap vive dans la section communale, moun kap vive dans la ville. C'est ça qui est Haïti. Et c'est Haïti ça, depuis campagne électorale, moi, pour arriver jodi. C'est Haïti ça, nous continuer à prêcher. En Haïti, côté tout haïtien, qu'on riche, qu'on pauvre, qu'on rouge, qu'on noir, qu'on vive la ville ou qu'on vive en dehors, où nous devons mettre tête nous ensemble pour nous quitter un pays meilleur pour génération qui va venir. Pas de génération spontanée.
Si nous besoin un plus bon pays dans 25 ans, c'est jodi a pour nous commencer. C'est jodi a pour nous commencer nous-mêmes politiciens commencer mettre tête nous ensemble pour nous faire confiance blaye entre nous pour nous retirer méfiance qui chita dans mitan nous qui met pays à devant derrière depuis 1806 pour arriver jodi a parce que c'est pas blanc qui t'a tué de Saline c'est nous qui t'a tué. Je dis à fond prendre conscience pour nous connaître. Nous pas qu'à continuer gourmer on la clope. Nous pas qu'à continuer bataille dans hingang ça. L'homme monde, un sénateur, un député, un magistrat, un kazek, un azek, un délégué ville, un président. Peuple a voté, c'est pour tout le monde camper derrière dans ton mandat là pour le gain pour réaliser ça le gain pour réaliser. C'est pour ça jodi a moi profiter gros occasion ça pour me dire haïtien frèm yo c'est pas étranger que met pays a dans italien là ambassadeur qui sita ensemble avec nous là communauté internationale là c'est pas responsabilité yo nous toujours faire peuple à comprendre pour nous dire c'est blanc blanc yo vini ici pour aider yo mande courage yo mande en pile détermination mais yo mande tête ensemble tout yo mande tête ensemble pour nous comprendre vision faut le partager là nous prend décision pour nous inonder 100 hectares moi connais une famille qui t'a vive qui te dépend de 100 hectares ça moi connais une famille qui t'a vive qui t'a voyé petite l'école c'est à partir de tes ça moi connais une famille qui t'a vive qui ont tradition qui gagne toute ton culture. Le terrain ça aujourd'hui pour aller en bas de l'eau pour aller rouser tes sèches qui pas gain l'espoir qui ont dégagé nos gouttes d'eau. Moi connais ça. C'est pour ça nous mandons l'État pour prendre responsabilité. EPPLS qui responsable pour bâtir logements sociaux pour moun. Pour prendre engagement moun qui dégain caille dans zone ça pour aller construire caille pour dans l'autre zone. Ministère de l'agriculture moun sa yo qui t'a fait agriculture dans zone ça garder ensemble avec ministère finance pour ouais dans tel état gagné comment pour nous faire pour moun sa yo pour nous faire un montant coopérative parce que nous dit constitution claire la donne Haïti son république coopérative ça veut dire un monde qui besoin jodi mettez pays ça sur route développement tout bon vrai. C'est l'un encourager moun yo moun ki dans production dans pays a met tête yo ensemble pour faire mouvement coopératif la vie non vérité vie non réalité même gens ça commencé fait dans la Tibonite côté gain des blocs de production c'est pas terre moun yo que yo prend terre toujours été pour moun yo yo met tête yo ensemble pour yo réunir 500 hectares pour que l'état l'el besoin vienne en aide. Il n'y a pas besoin de venir en aide à yon moun qui a yon kao, qui a 2000 kao, qui a yon kate. Mais nous tous mettons nous ensemble. Le sa, l'état qui a connaît, le la pot tracteur, le la pot semence, le la pot engrais, il n'y a pas poté le bail yon moun, la poté le bail yon équipe qui yon même, yon yon capable de garder sous l'autre. Jodi a 1er mai sa, moi choisi pour me parler ak haïtien k'ap vive nan pays d'Haïti ak haïtien k'ap vive l'autre bord de l'eau pour me dire là nous monter sur une page Facebook nous monter sur une page WhatsApp nous monter sur n'importe réseau social facile pour nous critiquer mais jodi a nous besoin nous-mêmes pour nous servir ak réseau social pour nous construire. En construction qui a mené pays ça vers un lendemain meilleur pour 25 années qui vini. Barrage irrigation ça qui a fait là. C'est pas moi-même qui va le bénéficier de lui dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ces générations qui a vini. Jodi a faut encourager, même si ou tenons l'autre parti politique, même si ou gon l'autre idéologie, faut commencer parler de ça qui bon pour pays en général. Route, l'eau, courant,
Pas de personne qui a dit bagage ça yo. C'est pas pour tout haïtien yo. Quel que soit parti politique ou la donne, quel que soit religion, quel que soit sexe ou pas qu'a dit un pays qui a vécu sans l'eau, qui a vécu sans courant. Nous dit et nous camper d'elle. Elle vérifier pour nous si on scrape dans modèle ça sur toute l'île d'Haïti. Ça veut dire jodi a gon vision qui clair, gon côté nous voulons mener pays a. Mais nous pas ka mener dans la guerre, nous pas ka mener dans hing hang, nous pas ka mener dans méfiance, nous ka mener dans confiance. Nous ka mener dans le chaque haïtien camper pour yo croire yon dans l'autre. Pour nous yon suspend by l'autre menti. Pour nous yon suspend. Là n'a pas entre nous politiciens, nous a travaillé ensemble pour c'est pas dans la nuit. Nous finissons parole et puis dans la journée dans demain dans la radio nous disons l'autre et puis là nous parlons à l'autre là les yeux pour qui ça c'est sorti dans la radio c'est pas ça nous débat ensemble non soir ou dit c'est politique n'a pas fait politique pas fait comme ça peuple a souffert trop il pas qu'à continuer prendre ça dans mes politiciens il pas capable politiciens c'est pour nous réveiller nous faut nous réveiller nous aujourd'hui pour nous connaître pays ça mandon chance les mandon chance même la communauté internationale là tout le temps. Tout en eux-mêmes, ils ne sont pas venus pour changer rien pour nous. Ils sont venus pour accompagner nous. Accompagner nous dans le changement qu'on a fait. Même dans cette priorité du gouvernement, tout membre de la communauté internationale a parlé pour allier à travers cette priorité. Et pourtant, il y a des Haïtiens qui vivent dans le pays d'Haïti jusqu'à présent. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que le changement, c'est pour un bagage qui a réalisé du jour au lendemain. Je te dis. Je me connais comment pour mettre terre, rivière, soleil, moun ensemble. Pour peuple la joindre, manger dans l'assiette pour joindre l'argent dans la poste. Mais comment pour le faire? C'est là, nous commençons à maîtriser de l'autre surface là. La rivière Marion qui qu'on a pris l'inondée malfaiti. Chaque temps qu'on t'y applique tombe, moun malfaiti qui l'a, yo pas connaît si c'est rivière ça qu'on inonde yo. Mais les gros réservoirs construits sur rivière Marion, le ça, n'a qu'un bête de l'eau. Les gens inondation, nous serrer. Les gens sécheresse, nous la gueule pour aller jouer le malfaiti. Pour aller récolter, faire récolte du riz. Du riz qu'on plante dans la zone. C'est ça nous venons porter. Moun, dans la zone Maribaro, kap gardem, kap tandem là. Rivière Jean de Nantes, rivière La Matri, rivière Diassa, rivière Canary, qui toujours descend pour aller inonder. Jodi an di yo, l'an sot Mario, nous pral dans la zone ça. Parce que nous disons, nous ne pouvons pas mettre poudre dans les yeux. Nous ne pouvons pas ça nous faire. Nous venons faire des projets durables. Nous venons faire des projets structurants. L'en aller après 50 ans, 100 ans, pour nous songer à un groupe jeunes garçons, jeunes femmes, ministre, premier ministre, président, député, sénateur, kazek, azek, magistrat, délégué ville. Moun qui est ambassadeur aujourd'hui à notre pays, pour connaître que. 100 ans, tu as un groupe ensemble qui te prend une décision qui te dit n'a pas changé de direction, n'a pas changé de cap là. Nous connaissons que la communauté internationale là, ça prend le temps. Il a pris le temps pour lui-même pour expliquer dans le pays comment les choses sont aujourd'hui en Haïti. Mais nous commençons à travailler ensemble. Nous commençons à jouer de bons résultats avec eux. Les États-Unis. Commencer à virer le programme USAID en Haïti. Pour que vous alliez à priorité. Yo. Tout l'autre pays, le Canada, Taïwan, tout pays, la France, vous commencez à allier. L'Espagne, dans le projet de l'eau potable, vous commencez à allier aujourd'hui. À gros barrière, la BID, la Banque mondiale, tout le monde commence à virer pour dire mais ça, priorité gouvernement. Nous prenons aller dans la priorité du gouvernement aujourd'hui. Mais pendant que nous-mêmes, il n'y a pas lié. Nous-mêmes, qui avons fait politique dans le pays, il faut allier nous tous. Il faut allier nous dans le projet de développement. Il faut allier nous dans la bataille contre la misère. Il faut allier nous dans la bataille contre la corruption. Bataille contre le sous-développement. Il faut allier nous. Ce n'est pas camper pour nous, camper pour notre bataille. Corruption n'est pas un slogan. Corruption. C'est un gangrène pour le développement du pays. Gardez la lutte contre la corruption, gardez ça n'a pas fait. Gardez combien d'équipements nous sommes achetés. Dans moins que un an,
Nous t'avons arrivé à mettre plus passé 123 millions d'équipements lourds dans le pays. Je dis, qui fait nous 14 mois et quelques jours au pouvoir, tout le pays a un équipement là-dedans ensemble. Nous avons un gros projet, gros plan pour le pays. Mais corruption, c'est une bagoume contre lui. Parce que longtemps, chaque temps, on entendait, qu'on a fait équipement pour acheter dans le pays. Il faut le projet à un porteur. Avec dit Jodia, et porteur et pourcentage, nous font trou dans le terrain. Parce que sous-développement, nous ne pouvons pas continuer dans le sous-développement. Mais ressources nous gagnons. Petit crascope que nous possédons. Là, nous gagnons, nous sommes obligés de dépenser pour que y aller dans le bon sens. En pile monde a parlé. Mais réalité, nous là. Nous là, Jodia, nous n'en marions. Il y a des nouvelles maintenant des gens qui disent l'or et président s'est déplacé vers un côté, c'est équipement de l'autre côté, le vient prendre, il vient de l'autre côté avec eux. Moi, je demande aujourd'hui à le visiter. Pendant nous dans Marion, nous avons pile l'équipement lourd, al dans le sud-est, n'a pas même quantité. Al dans le nord-est, n'a pas même quantité. Équipement ça là, direction départementale travaux publics nord-est, il y a même quantité. Direction départementale travaux publics nord, il y a même quantité. Direction départementale travaux publics nord-ouest, même quantité. Direction départementale travaux publics Atibonite, centre, sud, l'ouest, NIP, Grandance, yo gen même quantité équipement nous gen là. C'est parce que porteur yo, nous on ti gens, nous di yo font ti camper sous côté. Parce que pourcentage yo, yo là pour font grand monde riche. Jodi a nous besoin c'est pour tout peuple la pour, c'est bon seulement. Et c'est pour ça. Je demande à tous les ministres, directeurs généraux, directeurs qui sont en boîte déconcentrée, boîte autonome, tout le monde qui travaille dans l'État, tout le monde qui est supérieur des comptes, le conseil électoral qui est membre qui est ensemble avec nous là, je demande à tous ensemble, c'est pour nous goûter, pour que je dise cette histoire de corruption que tout le monde comprenne, son bagage qui est normal là, il n'est pas normal. Là, quand on contrôle l'État passé, gon moun ki font pourcentage sou li font cop sou li c'est corruption relé depuis que l'État vient pour l'acheter bien pour faire peuple là vivre mieux gon moun ki sorti pour bloquer pour contre li c'est corruption relé jodi a c'est rôle moi ça président de la république chef de l'État garant de la bonne marche des institutions moi dit tout côté gien bay qui bloqué m'a tout non bulldozer débloquer parce que c'est rôle moi. C'est rôle moi. C'est rôle moi ça. C'est rôle moi, j'aime te dire toute ministre, nous pas gain droit peur. La peur engendre la peur, comme disait l'autre. Nous pas gain droit peur. Nous supposons là pour nous travailler. Nous supposons là là nous est mur devant nous à chercher équipe nous. Main dans la main pour nous craser pour nous passer parce que barrière sous développement ça le barrer nous trop longtemps. Barrière ça cap diviser nous. Moun kap mette nou yon en face l'autre yo. Et puis ensuite, pour yon jouen gros avantage yo, tant ça, li révolu. Mwen di li, jodi a m président, tout haïtien, ke haïtien nan l'opposition, ke sa ki nan, même parti ak mwen, m pa président anti groupe haïtien, mais député yo klar, sénateur yo klar, yo tout kadil, m pa gen député nan l'opposition, m pa konnen, m pa gen sénateur nan l'opposition, m pa konnen, mwen konn tout. Là au gon problème toujours prend téléphone même relé parce que nous sont démocrates convertis me pas connaît que jodi le monde ou dans l'opposition c'est pas bail qui nous doit faire parce que c'est normal pour que dans politique gien monde qui dans l'opposition mais nous besoin en opposition constructive en opposition qui là pour le développement pays c'est pas opposition qui là pour craser briser qui là pour aller bouler caoutchouc sur route n'a construit c'est pas opposition qui là pour encourager insécurité dans le pays, c'est pas opposition ça n'a pas cherché, mais son opposition qui là qui pour suivre avec des yeux vigilants ça que le gouvernement fait. Moi-même moi dis nous parer aujourd'hui pour mettre l'État au service nation. Même m'a dit chaque ministre qui est là, chaque grand commis de l'État qui là pour connaître rôle yo. C'est faire l'État vin pi performant chaque jour. Moi connais
gen pile problème, en pile problème dans frontière. Sénateur Larèche saute parler de affaire de Wanamet. Gen 59 points qui gen problème dans frontière. Et moi-même moi dis, c'est pas question de marché binational qui bail problème. Problème contrebande, nous dit, nous te dit l'autre jour nous pral vini pour nous venir camper face li, même gens la police nationale. On parle avec le directeur général là avant hier qui dit qu'il y a plus de 250 policiers qui sont en formation. Et je remercie publiquement les États-Unis, le Canada qui a supporté nous pour que les policiers nous baillent en formation en matière de surveillance de zones frontalières. Je vais quitter le pouvoir avec au moins 1000 policiers sous frontière qui ont suivi toute ligne frontalière. Je vais quitter le pouvoir avec un pile soldat dans la mer qui pral courir travail que la police lui-même a fait qui joue un rôle de proximité. La police c'est lui qui l'a pour tout près peuple là pour jouer rôle lui, la mer lui là pour jouer rôle de défense nationale, la défense territoire. Avle dit moi dit frontière là qui poreuse jodi a li pas qu'une fatalité pour nous, c'est pour nous camper, pour nous dire, pour nous gérer les frontières avec nous, parce que nous sommes peuple qui grand monde, nous sommes peuple indépendant. Je dis à nous pas camper pour frontières à bon nous défi. Je dis douane qui sous frontière. Quand vous connaissez, je dis à vous prendre responsabilité. Je dis le clair, dans le niveau administration, pas nous, c'est zéro tolérance. Nous pas là pour encourager aucun monde qui comprenne. C'est nos affaires contrebande pour comprendre nous qu'a fait richesse. L'entrée dans contrebande, c'est empêcher petit ton lot malheureux à l'école. Parce que l'argent taxe avec un pot peuple là. C'est eux-mêmes qui pour permettre l'État à fonctionner. Même Jean Noué, dans tout pays, il y a un équipement lourd. Même Jean Noué, gros décision qui prend pour nous ouvrir 775 restaurants communautaires à travers tout pays. C'est pas l'argent ministre qui saute dans poche, c'est pas l'argent président, c'est l'argent taxe, c'est l'argent impôt. Mais pour le fait, faut nous goumer à corruption, faut nous goumer à contrebande, parce que sans bataille ça, l'argent ça yo, y a difficile pour y rentrer. Pour que projet ça yo, prend l'exemple projet sociaux important en pile. Pendant qu'on a fait gros travail d'infrastructure agricole, mais peuple là, monde qui est plus faible, faut nous venir pour nous aider. Faut nous venir pour nous aider pour nous faire un plat manger pour nous manger chaque jour. Monde qui est plus faible, programme de maman chérie qui a 120 000 mamans là-dedans, faut nous venir pour nous déraper le programme pour les mamans. Faut nous travailler pour que le programme Corée étudiant qui te baille bon coup de main. Les nous-mêmes qui vivons dehors, nous avons petit, nous voyons l'école, la ville. Parfois, nous n'avons pas de moyens pour nous voir 2000 gouttes ou 3000 gouttes de balai. Mais si le programme Corée étudiant est là, il permet de joindre nos petits chouchou pour être capable de payer la camionnette, pour être capable de faire la photocopie que le besoin fait, le ça, programme ça, il n'y a pas qu'à faire pour compte. C'est pour ça, taxe avec impôt, il est utile, il est nécessaire. Je dis nous, je dis, nous n'en marions, mais histoire barrage ça, si nous raconter nous son histoire qui longue en pile. Dans le niveau ministère de l'Agriculture, qui c'est le ministère qui coiffe barrage là, il était difficile en pile pour que le ministère arrive à comprendre que ça a son nécessité. Son nécessité première pour nous barrer rivière Marion. Pour l'aile en cru, moun kap viv nan zone bori sit lan, nous konn wè les rivières sa descend, qui volume d'eau le poté, qui pral jeter dans la mer. Mais jodi a, mwen pense que sous leadership nouveau ministre, barrage irrigation, li pral on l'évangile za fè barrage irrigation pour cadre dans ministère agriculture. Même le dernière fois te gon barrage qui te fait dans pays a, il était commencé sous l'occupation américaine en 1930. Il était finalisé
avec centrale électrique hydroélectrique Pélégla en 1971. C'est pour nous dire que son barrage qui te prend plus passé 41 ans pour le définir net. Jodi a technologie a pas avancé. Nous gain un pile gros équipement, un pile technique dans affaire construction barrage. Barrage yo ka fait dans moins de temps. C'est pour ça ministère travaux publics à travers laboratoire national du bâtiment et des travaux publics li met toute force li dans étude géotechnique et géophysique qui fait ici là. C'est haïtien qui fait, c'est pas étranger. C'est des jeunes ingénieurs qui formés dans la faculté des sciences dans le pays d'Haïti qui parti qu'al prend formation dans l'autre pays qui jodi a qui fait études géotechniques avec géophysique. On est fier, on dit. On va nous babiller. Dernière fois, nous construisons un barrage dans le pays, nous sommes dit. Ça date de plus passé 70 ans. Je dis, nous sommes capables de gagner toute formule théorique, mais dans la pratique, nous avons besoin de coups de main des gens, des experts dans l'autre pays. Ça, la relation diplomatique que nous avons avec un pile pays sur la terre. Nous sommes entrés pour parler avec plusieurs pays. Et là, nous gardons le travail qui fait dans le pays qui bat. Avec le barrage que nous faisons, Tigio, nous parlons le barrage a fini qui s'agirait Tigla. Tigla, c'est ça qui barre tout. Barrage Marion, on parle de Tig qui m'a hauteur environ 30 mètres. Tigio, là, pour nous faire pied économique. Yo fait en terre battue. Ça veut dire sans terre, Tigyo. Parce que nous n'avons pas l'argent pour nous faire Tigyo en béton. Mais les gens qui font la technologie, ça, on a besoin de nous. C'est monsieur Libé. C'est ça que fait 15 ingénieurs experts. Libé, il y a un ministère agriculture pour que le barrage irrigation, ça, devienne une réalité. Ma petite coopération. Nous, nouvelle coopération que nous venons faire pour en Haïti. Ce n'est pas une coopération côté nous longer mais nous pour nous tendre pour nous comprendre chaque jour. Une coopération côté pour nous montrer nos péchés. Pour ça, nous disons sous leadership, pas nous aujourd'hui. Nous demandons à la communauté internationale qui commence avec un changement paradigme, un changement façon. Aide internationale la de Gonbaï, ici, nous demandons aujourd'hui pour tout le monde la communauté internationale la suivre. Les côté nous voiler, le renforcement institutionnel là. Les côté nous dit nous renforcer le système santé, le système éducation, agriculture, infrastructure. Nous parlons d'infrastructure, nous parlons de réseau électrique national là. Nous parlons de réseau fibre optique pour côté internet dans tout coin pays d'Haïti. Nous parlons de réseau hydraulique pour permettre l'eau circuler dans tout coin pays d'Haïti. L'eau qui arrive dans le robinet quand les gens qui vivent dans la ville. C'est pour ça. C'est pour ça je dis à la coopération claire. Nous sommes capables de faire la coopération derrière. Et pour le fait, fuck. Nous travaillons dans la mise à niveau du ministère. Effort qui fait dans le ministère des travaux publics. Regardez un pile effort qui fait. Le ministère des travaux publics commence à faire un pile mise à niveau. Un pile recrutement commence à faire. Un pile équipement acheté. Laboratoire national du bâtiment. Je dis à commander équipement pour plus passer 2 millions de dollars pour permettre de venir plus performant côté toute étude. Géotechnique et géophysique qui vient pour faire dans le pays, il y a paré pour le faire. Dans la grosse construction qui vient pour venir faire dans le pays. Dans le barrage irrigation qui vient faire dans le pays. Mais, au niveau ministère de l'Agriculture, il y a un pile travail qui est pour faire. Même gens, ça a commencé à faire. Dans les affaires, recrutement, jeunes garçons et jeunes femmes qui pour.
agronome za yo, ingénieur agronome za yo, yo vin dirige bureau agricole communal za yo. Fon bay jen yo chans yo. Fon bay jen yo possibilité pou yo vin montre sa yo konen. Parce que jeunesse là, c'est lui même qui l'a venu payer. Jeunesse là, c'est eux même qui futur pays. Nous pas qu'à vouloir créer une société, construire un pays sans pas gagner la relève là-dedans. Dans le niveau ministère de l'agriculture, il y a pile de travail qui pour faire dans le gros laboratoire nous supposons gagner dans le pays. Tout plein nous yo. Faut qu'il y ait études pédologiques qui commencent à faire sur yo. Faut nous commencer à faire études sol yo. Mais qu'on est dans niveau laboratoire qui est dans le ministère de l'agriculture, nous pouvons gagner équipement pour gens d'études ça. Nouveau ministre là c'est Wallou. Wall pour nous renforcer laboratoire que nous gagnons. Wall pour nous renforcer faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire que nous gagnons pour nous mettre la donne en section pour nous capables de gagner des spécialistes en biotechnologie dans le pays. Ce n'est pas possible aujourd'hui pour nous besoin acheter des plantules in vitro, plantules améliorées pour ces deux heures pour nous pouvoir acheter. Quand surtout, côté à faire en République Dominicaine, Costa Rica, Colombie, en Israël, nous avons ces cerveaux qui sont même avec nous. Orgueil nous aujourd'hui, agronome qui attendent là. Faut nous commencer à fêter orgueil nous pour nous connaître. Nous pas là seulement pour écrire projet, nous pas là seulement pour faire plantation dans bureau, nous pas là seulement pour faire plantation dans ordinateur, nous là pour faire sur terrain tout. Agriculture. Là on peuple qui besoin joindre dignité, premier ça pour chercher faire c'est pour bailler tête ou manger. Ou pas qu'a besoin si joindre dignité ou et puis boire pot bol blé ou bailler moun. C'est wall nous agronome yo. C'est wall nous. Agent agricole yo, c'est wall nous, ministère de l'agriculture. Jodi a. Voilà, escamp figi nous. Levez escamp figi nous. Ministère de l'agriculture qui t'a gagné en série d'agronome. Tant quoi agronome Gustave Ménager qui t'a réalisé gros recherche dans affaire Manque Francis. C'est nous seuls qui gagne manque ça sur la terre bénie. Côté l'autre agronome yo qui pour moi réalisé semence dure dans le pays, semence améliorée, côté nous. Moment arrivé, cloche la sonne. Pour orgueil nous fouetter, pour nous connaître, nous à l'école, nous pas à l'école pour écrire projet seulement. Nous à l'école pour entrer dans le centre de recherche, pour nous faire des recherches, pour nous aider des systèmes que nous avons développés dans le pays, pour nous porter innovation dans notre domaine agriculture. C'est wall nous. C'est wall nous aujourd'hui. Nous-mêmes, cadres, dans le ministère de l'Agriculture, pour nous réveiller, pour nous dire aujourd'hui, en nous, mettez le pays en chantier tout bon vrai. Ce n'est pas possible pour nous camper dans le département. Le département, ça a gagné plus de 46 000 hectares. 90% de notre terre, c'est Bayaron qui est sur. Et puis, ça n'a pas frété orgueil, agronome. Bayaron sorti depuis limonade, rive juste Wanamet. Est-ce que nous avons campé garder ça? Et puis, je dis à Jean, magistrat, so dit là, chaque vendredi, on a traversé les frontières, on a acheté des cocombes, des manioc, son honte, messieurs et dames. Agronome, Levez figuino, levez comme figuino jodi a, parce que pays a un groupe jeune garçon avec femme qui n'a tête li qui dit nous tout en cadre nous besoin nous parer pour ba nous li même Jean le fait dans ministère de travaux publics. C'est pas rester pour nous rester dans coin pour n'a plein, c'est pour nous camper met kon nous dehors. Comment pour nous arriver dans pays pour n'a vivre pas gon banque de semences dans pays a? Chaque temps nous besoin acheter semences. C'est manger à bon dans marché dans l'acheter pour semence. Ça veut dire. Ça veut dire. C'est manger, c'est poids à bon dans marché. C'est maïs à bon dans marché que semence. Cette histoire de piton nous lève nous là, si nous lève nous pas rien là. Ah.
Réveillez-nous. Je dis à 1er mai 2018. 1er mai 2019, là, madame, fait le comme ça. Madame, le ministère de l'Agriculture, comment c'est dit, projet banque de semences qui va aller dans le pays, si son partenariat public-privé va faire, réveillez-vous. Pour que vous ayez une bien banque de semences, côté nous gagnons maïs, nous gagnons semences pois, nous gagnons semences pitimi, semences tout ça nous besoin pour ce pas acheter, nous allons acheter, ni qu'à l'autre monde, ni c'est manger, nous allons acheter dans le marché comme semences. Pour nous capables de gagner, premier embryon laboratoire biotechnologie nous. Côté nous qui fait production semences bananes dans le pays. Paysans, vous n'avez pas même comprendre ça, Nabdia. Mais agronomie, nous comprenons. Nous connaissons bien bananes aujourd'hui, ce n'est pas créole bananes pour planter. Nous connaissons ça. Nous connaissons un laboratoire pour nous produire un plan bananes. Pour que nous produire un plan bananes qui n'est pas malade. On prend banane qui pas malade parce que l'on prend créole banane il y a toute maladie l'autre pied banane n'a rien faut pas oublier ça qu'agriculture que me fait campagne mais extrêmement exigeant n'a faire agriculture parce que me connais pile bail la donne et faut me dire nous tenons phase côté nous tenons phase d'observation à agriculture ministre là moi dis aujourd'hui Moi, bien content, moi, bon, tout n'en pio. Parle avec tout directeur départemental, yo. Tout bac, yo. Qu'on pral mettre sous pied, ya. Pas gen moun qui pral là pour être dans le bureau. Tout moun pral là pour aller jouer un paysan dans le jardin, li. Faut le connaître. L'elgen, on maladie, c'est un coup pichon qui tombe sous pitimi. Yo fait paysan, quoi. C'est hélicoptère qui vient vider bas sous lui. Menti! Nous connaissons menti. C'est pour nous dire, c'est menti. Nous, c'est pour nous dire, c'est menti. C'est pour nous dire que son maladie, qui tombait sous petit mien, nous-mêmes, dans le laboratoire avec elle. Même j'en sa fait que m'a salué courage, agronome Gaël Pressois, m'a salué courage, qui entraîne dans le laboratoire, fait étude avec pichon qui était tombé sous petit mien. Je dis, il y a son semence petit mien, papa pichon, ou qui a planté dans le pays, qui n'a pas de maladie. Eh bien, c'est dans tout domaine pour nous faire. Faut nous un laboratoire d'études, un laboratoire de recherche dans le pays, pour que les maladies a tombé sous pied bois nous fait paysans comprendre que maladie pas tomber sous pied bois c'est sous moun yo tombé ça c'est des vieux proverbes maladie c'est sous pied maladie tomber sous pied bois tout c'est pas moun qui jette maladie sous pied bois rôle l'état c'est mettre bon laboratoire de recherche pour faire recherche sur toute maladie que pied bois nous ca prendre dans pays et pour toute solution. Ce n'est pas des recherches éternelles qui ne vont jamais finir. C'est des recherches qui pourraient arriver pour venir à une solution. Dans la coopération internationale, là, tout ambassadeur qui là, tout chef de mission qui là, il paraît pour travailler avec nous. Il paraît pour que si nous avons besoin de gagner des expériences dans le niveau biotechnologie, nous avons besoin. Nous n'avons pas qu'à arrêter. Nous vivons sous côté pays qui est plus riche sous la terre, les États-Unis, qui ont toute technologie qui gagne et ne pas profiter de ça. Réveillez-nous. Ambassadeur américain, là, la parole pour l'ouvrir, porte là pour nous, pour voir les jeunes dans la meilleure université qui gagne aux États-Unis. Voilà, prendre pour nous connaître comment nous-mêmes, aujourd'hui, pour nous traiter maladie la caille, nous, maladie qui a tombé sous pied bois, nous. C'est rôle, nous. C'est pas premier ministre, c'est pas président. Seulement. Tout ça qui a comme problème, c'est eux pour parler. C'est Wall, tout ministère. C'est Wall, nous. Je dis, pour nous dire que coopération, mais qui j'en veux. Nous voulons en coopération, j'en dis, côté jeune garçon, avec jeune femme qui finit dans l'université, dans le pays d'Haïti. Nous avons joué des coopérations pour y aller faire 6 mois, faire 1 an, faire 2 ans. Dans l'autre pays qui tout près nous. Yo. Je prends l'exemple États-Unis. Parce que États-Unis, c'est là. Son pas. Alors, s'il y a des demandes que nous faisons, formelles, nous pensons à l'ambassadeur américain, là, il ne peut pas faire arriver dans Washington pour meilleurs jeunes, nous, on dit meilleurs, qui sorti dans la faculté d'agronomie dans le pays, et puis nous choisissons ça pour nous voir le faire pendant 2 ans. La presse voit, pourquoi pas? Mais c'est Wall, nous.
agriculture. Lève genoux, lève camper. Parce que agriculture pays ma terre. Trop grand monde a fait petit bagarre. Me saluer sénateur Jacques Sauvé crivé là. Cap gouma un projet a traîné. Nous a fait du riz côté de l'eau. Et puis tout à coup non mieux. Là parler de barrage Mario. C'est un cousin blague ou des bails. Et bien maintenant c'est pas une blague lié. Moi mandé ministère agriculture pour commencer travail sous affaire barrage rivière Jean de Nantes, sous affaire barrage rivière La Matrie, barrage rivière Canary. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'ai branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.